Le moment des fêtes est un moment de partage pour tous et c'est dans ce cadre que le directeur général de la communication plus a eu un moment de partage de vivre avec les amis de la presse, les combattants de l'UDPS et communicateurs du parti présidentiel. Il s'agit d'un lot composé de vivres, des sacs de riz, cartons de poulet, huile végétale ainsi qu'une enveloppe comme collation. Ce geste de charité s'inscrit dans le cadre de la vision politique du président Félix Tshisekedi, le peuple d'abord, d'après le directeur général de la communication plus @mukuna, un motif de satisfaction pour les bénéficiaires. Je crois que Ndeto Lobaranio s'est arrêté à traiter. Tant que tout ça, la Ramoussala, il a coupé sa bino information en temps réel, il a informé bino à tout moment. Ils appellent à bateau, bah, croyant qu'on a Moussala, tout ça, la rapport, on a peuple congolais. Je confirme encore, mesdames et messieurs, que nous travaillons pour l'intérêt général du peuple congolais, pour vous servir la nation congolaise. Et aujourd'hui, à travers notre travail, à travers service n'importe où par la nation, ils allient à Moko et à Congomani, des pères et de mères, à la personne de Monsieur Aaron Robaz Mukuna, le patron de la communication plus. A jugé bon hein, de partager avec le journaliste et avec la famille de la presse. Et te pécier, merci Mingi, Nzambeya, Pambola et Mingi, Monsieur Arobaz Mukuna, la geste au Sali, et surtout, et qu'on pèse à l'issue sous ma casse, Mingi, et continuer, qu'on pèse à l'issue sous Sangona, qu'on informe l'issue sous population à temps réel. Merci vraiment, la geste louable, la zui ba vivre en Angaï, et je pense que nous fêter qui tourne en Dakou, Nangana maman, Nabana Nangana Dakou. Chapeau à Monsieur Arobaz Mukuna, Boende Sengelito Sunga, peuple congolais, Boende Sengelito Sunga, président de la République, et au Sengi Nabatou Moussoupe, pour emboîter les pas, pardon, beau hésiter, t'es beau ça à peine de rôle à Monsieur Arobaz Mukuna, les pas ouïa congolais, les patrons de la communication, puis je vous dis merci. Merci, bonne année Nabatounion, surtout petit merci Mingi, Nazan et Sengon, parce que Kola Rola Mugabe Samel Moutounion, surtout là, libre Babengi, et pas un monsieur, Aza Mouté Mamouné, ni Arobaz Mukuna. À penser nangai le loi sur le journaliste et belé tendance nion sort cassé merci biso pe moi courage pour la bonne année au yango to pe merci na geste qui to ko ya sali merci. En tout cas je suis très honorée d'être sélectionnée parmi plusieurs parce que je suis également étonnée d'être appelée pour venir recevoir quelque chose de la part de monsieur Arobaz Mukuna. Il a pensé fêter avec la presse, il a pensé honorer la presse et moi je suis vraiment très flattée de cet acte de considération. Merci beaucoup monsieur Arobaz, en tout cas que Dieu pense à vous et que Dieu vous bénisse encore plus. Merci. Merci pour la bonne foi, générosité et puis na moté mama lamo. Il y a les mentors à la personne, il y a monsieur Arobaz Mukuna. Oyo, par rapport à Moussala Oto Salaga, pour la communication, à penser les lots, dans l'occasion de la festivité à fin de l'année, à Nouvel An, pour Kaboulapé, moi, Mouke, Oyo, Azalaki, Nayango, Namouté, Amala, Mouke, Azalango, à penser à Nabisopé, Ndeko, journaliste, moi, Losso, Poulet, et puis quelque chose pour permettre à Pébisso de fêter, tous à la Kimia, tous à l'aise. Alors, et ça, c'est ma bonne beauté, mais il y a côté ici en haut. Donc, Topessier, merci à trop, na geste où il y a posé. Donc, monsieur Arobaz Mukuna, les mentors, infiniment merci, na acte quoi. Infiniment merci, na geste. Et j'ai dit un grand merci aussi au coordonnateur et l'assistant du chef, monsieur Moïse Mboui. Donc, l'œil du chef, vraiment infiniment merci. Bomoni, tu refaites Gitoko. Donc, c'est grâce à monsieur Arobaz Mukuna. Merci beaucoup. Meilleur vœu à tout le monde, merci, c'est Télém Océan. Quand on dit quand même un grand merci à Arobaz Mukuna, l'homme de la parole concrète. Il a réalisé ses promesses. Eh bien, vous voyez, nous avons des vivres, on peut bien fêter. Coup de chapeau, ça nous va tout droit au cœur. Nous devons quand même remercier parce que c'est un geste d'amour. Nous allons fêter quand même en famille. Allez! Joye yo. Ouais, Naza coupé sa merci na moko ya bayimboka oyu a pensé hein, on a pensé pe ko sélectionner biso parmi ba congolais, parmi pe ba journalistes ba sala musa na bango bien ko communiquer aussi. On a intérêt ya mboka Congo. Merci na Arobaz Mukuna. Je pense que bazai belé na mukido oyu bazana na ba moyen na bango bazana ba mbongo na bango ba koko zo yango ba kosa na ma mwandenge na ndenge mais lui quand même a joué du kanisi ya koluka ko honorer pe biso. Pour ça, la bise peut être célébrer pour atteindre la fête Oyo Malamu. Merci vraiment à Arobaz Mukuna. Grâce à lui, il y a aussi un bon nombre de bateaux qui ont quand même pour fêter
bien vraiment Nzambe apambola et a continué toujours pour ça là battu ya boyende faut bazala ebélé bazala ebélé le Congo pour aller de l'avant. Merci. Cette remise de vivres va permettre aux uns et aux autres de passer un moment de festivité avec joie, comme l'avait fait récemment le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, avec les femmes des militaires des FRDC, à en croire le numéro 1 de la communication plus. Vous savez, ça a toujours été plaisir de partager avec nos frères. Nous sommes au pouvoir grâce à eux. Et voilà pourquoi nous avons jugé bon que chacun d'eux puisse fêter aussi en merveille. Le chef d'État ne peut pas tout faire, nous devons lui assister en faisant des actes pareils. Ça va à son intérêt aussi. Voilà pourquoi nous avons jugé bon de réunir nos frères, ses sœurs, distribuer afin qu'eux aussi puissent fêter en merveille. C'est comme ça que le chef doit être soutenu. Le chef est là, mais il ne peut rien faire sans être accompagné par ses collaborateurs. Il a décidé de fêter ensemble avec des femmes des militaires. Ce sont des actes d'encouragement. Il voulait faire montrer aux femmes militaires qu'ils sont très, très, très importants dans notre société. Étant communicateur, directeur général de la communication plus, nous le disions, 2023, année de la victoire. Profitant de cette même occasion, Arobaz Mukuna a baptisé l'année 2023 comme l'année de la victoire. La communication plus promet d'activer davantage son réseau pour la visibilité des actions du chef de l'État au cours de l'année électorale qui pointe à l'horizon.